رحمة الله وبركاته. تعلمنا كيفية استعمال الفوكل فور العادي الكلاسيكي السهل عدد إعادات معروفة. الآن سنتعلم الفوكل فور إن. فور إن. إذن on va إن شاء الله تستي comment on peut utiliser la vocal for in avec un objet JSON. In English, we will learn how to use JSON object to iterate and display all the value of k in a JSON object. إذن سنقوم إن شاء الله ببرمجة الشيء التالي. بسم الله. إذن سنذهب إلى Visual Studio Code. Test 4, إذن سنقوم بخلق ملف جديد. On va créer un nouveau fichier test 4in. For in dot html. Voilà. إذن try to create a new file with name test 4in. Point d'exclamation entrée. Donc on va créer paragraphe, simple paragraphe pour afficher les résultats. Donc try to create a new paragraph to display the results of our program. Now create a script to execute our JavaScript code. Et on va créer un script pour écrire le code JavaScript. Script toujours, script. Puis on va utiliser language comme attribut. Language, JavaScript. C'est très classique. Donc, ça nous permet de faire les résultats. ثم script لي كتابة البرمجية. إذن أولا سنقوم بخلق JSON object يعني خلق كائن على كائن JavaScript. Premièrement, on va créer un objet JSON. First of all, we try to create a JSON object. So, var, variable global, employé, voilà objet employé, égal, voilà accolade. C'est une variable, c'est un objet. Donc tous les objets JavaScript doivent commencer par accolade. Et jamais qu'il y ait JavaScript, يجب أن تبتدئ بلام مفتوحة ثم لام مسدودة. All JavaScript objects will be started with curvy braces. So, إذن the first key, la première clé, c'est créer numéro. Il est numéro de point, par exemple l'employé numéro 1. Face à là, voilà, non, égal, voilà, Mohamed, voilà, and age de point 13. Et voici un objet JavaScript, un objet classique, voilà, simple, voilà, avec les keys, numéro, nom et âge. Et il y a un key, le fait ou le chawas, il y a un numéro, il y a un raqam, il y a un ism, il y a un sin. Object with keys, number, numéro, nom, name, age, voilà. Et then try to display all the value of each key. Then on va essayer d'afficher les valeurs de chaque clé. Then on va essayer d'afficher les valeurs de chaque clé. Then on va essayer d'afficher les valeurs de chaque clé. Then on va essayer let x in person, x in person, x in person. Voilà. X per in person, يعني ال k. X يمثل لنا ال k. إذن كما هو معلوم, سنقوم إن شاء الله ب. Voilà. إذن for
إذا كما قلنا فور، إذا سأستعمل كلمة فور. Voilà. For x in voilà in employee. إذا x هو يعني for k. إذا on va مثلا k x يعني for k in employee. اوكي نسمي مثلا k k voilà k in employee. إذن سنقوم ببرمجة متغير text var. هذا المتغير يأخذ قيمة فارغة text. ثم سيكون عندنا text الجديد text القديم la nouvelle valeur de x. On va initialiser une variable text avec le vide puis on va programmer x text la nouvelle valeur de text égale l'ancienne valeur de text plus voilà plus k oh, la clé en français qui la clé égale idem z x voilà idem là tiré k tiré k tiré k voilà idem on va la valeur texte pour les valeurs contrôle c contrôle v text value donc text value égal text value plus donc on va voilà la valeur plus l'objet employé entre crochets x. La première key c'est nim, donc on va afficher nim, mais employé nim c'est exactement wahed. Voilà, donc ça اول كي هو النيم. اذا تجينا النتيجة هي النيم وتجينا هنا واحد. المرة الجاية شنو الثاني هو النو. لا دوزيام فالور دو كي سي نو. اون فافيشي نو بوي امبلواي نو سي اكزاكتومون محمد اكسترا. ماتنو اون فافيشي نوتر ريزولتا دون 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 الباراغراف. دون الباراغراف سي دوكيمنتس documents documents dot get element by id p1 une html parce qu'on a le bear une html reçoit voilà text text key voilà. Et donc on va afficher les keys pour voir que for key in employé c'est exactement numéro non âge. Donc on va exécuter voilà.
il y a des erreurs, alhamdoulilah, on a des erreurs. On a des erreurs, يعني on va, يعني il reste un point virgule. On a oublié de programmer un point virgule. Donc, essayez de exécuter. Voilà. Donc, erreur. Alhamdulillah, notre erreur. Voilà. Donc, var employé égal à num, nom, âge, var. For key, employé. Text key égal à text key. Value. Plus la clé, plus x, plus br. إذن text value. Donc on va faire ça. Ctrl C. Ctrl V. Valeur égale. On va essayer d'exécuter for in. On va voir inspecter pour trouver une console. X in is not defined. X is not defined. Voilà. L'erreur, c'est X not defined. Si vous voulez voir l'erreur, toujours bouton droite. انسبكتي لمعرفة الأخطاء زر أيمن انسبكتي ثم الذهاب إلى كونسول ثم قراءة الخطأ قال لنا بأن x is not defined x is not defined x is not defined x is not defined فوالا الحمد لله لماذا؟ لأننا استعملنا كي on va voir كونترول سي ثم هنا كونترول في الحمد لله employee كي إذن si on va utiliser x, très facile. For chaque x, employer x. Now, résultat is correct, inshallah. لاحظ clé num, clé nom, clé âge. On a affiché les clés. On a affiché les clés. Si on veut afficher, on va essayer de display de window. إذن on a affiché les clés. La clé, la première valeur x c'est nim. La deuxième valeur c'est nom, c'est âge, etc. Donc on va essayer maintenant d'afficher text value. Text value. Résultat, ça sera inshallah les valeurs 1, Mohamed 13, parce qu'on a affiché les valeurs. Si on veut combiner les valeurs, donc on va utiliser ça. Donc essayer de éliminer ça. Non, texte. On doit afficher les noms et les valeurs. Texte. Voilà. Donc texte. La nouvelle valeur de texte, ancienne valeur de texte, clé x plus br plus value, valeur, clé valeur. Voilà, donc on va, inshallah, maintenant utiliser la valeur x, c'est le key. Pour la valeur, c'est pers employé. Employé entre crochets x. Donc on va afficher le x c'est nim pour première fois x in employé c'est nim. Donc nim employé dot nim c'est un deuxième valeur c'est nom. Donc on va afficher nom Mohamed etc. Donc key voilà. Key valeur, key valeur. Donc, voilà. Et on va essayer de voir résultat. Key numéro, valeur 1. Key nom, valeur Mohamed. Key âge, valeur 13. Donc, c'est exactement
si on veut voir le x, voilà, premièrement x tout court, on a deux points. Voilà, x deux points, x valeur. Donc résultat, ce sera nim 1, non, Mohamed, âge 13. Donc pour boucler à l'intérieur d'un objet, il suffit d'utiliser for x in employé, x c'est la clé, et pour récupérer la valeur, c'est employé dans x. Et dans le moment où il y a jamais le mefessier le chasse à bikain, c'est le samil for x in hadel kain. Ou le sergeal kain, c'est le samil ism kain employé, bien à ma confession x. Chocolat le commandant.